Bonjour à tous, c'est Saran, je suis avec Sandar. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 9 sur RIM. Je fais toujours des chiffres qui n'ont rien à voir, là on est sur 6, mais c'est pas grave. 9 sur RIM, vous souvenez-vous, on était à la CGT des esprits, qui manifestait contre la statuification des esprits. Donc j'espère que leur manifestation a porté ses fruits. Nous, on a vachement soutenu le projet, donc n'hésitez pas en commentaire à mettre le projet, qu'on le soutient, bien sûr, à signer la pétition qui se trouve dans la description pour que ces esprits ne soient pas transformés en statues. Merci beaucoup. Voilà. Petite aparté, on avait besoin de nous faire un aparté, le son est trop fort, j'en profite pour baisser. C'est mieux. On fait une petite dédicace déjà à Yves055, dont l'anniversaire, pardon, était vendredi dernier, donc bel anniversaire à toi, donc vous n'hésitez pas, dans les commentaires à nous dire quand c'est les anniversaires. Bah oui, en retard, parce qu'on enregistre un petit peu d'avance, vous comprendrez pourquoi, parce qu'il y a un truc spécial dimanche là qui arrive. Au vide-grenier, vous allez voir, il y a une vidéo spéciale par rapport au nombre d'abonnés. Donc il y a une vidéo spéciale, donc on a été obligé d'enregistrer un peu d'avance. Voilà, donc désolé, c'est normal si on est un peu décalé pour vous souhaiter tout ça. Et Polly la licorne, du coup, c'était ton anniversaire hier aussi, et on te fait une grosse dédicace, voilà. Mouah, Polly. Et Yves, tout le monde. Ok, et ben on se retrouve pour la suite, Tout simplement, allons-y, allons-y. Cette petite salle, ok. Donc, ok. Ça a activé quelque chose quand il s'est mis sur le truc. Qu'est-ce qui se passe? Mais il y va du coup. Ah mais j'ai pas eu le temps moi. Je peux remonter j'espère. Ah merde, mais je savais pas moi. Il y avait plus rien dans la salle. Mais on y était jamais allé. Ah je croyais que c'était la salle de... Ah merde, bah bon bah du coup ok. Est-ce que si je vais là tu... Tu remontes? Non. Non, bon bah écoutez... Peut-être qu'il y a quelque chose derrière. Par contre, il y a quelque chose derrière, me dit-on dans l'oreille. Ah non, c'est Sandar. ça là, ouais, c'est une porte, mais. Ouais, mais faut garder quand même, on sait jamais. Bah, je peux pas ouvrir la porte, moi. Je ne peux ouvrir la porte, moi. Moi, je peux ouvrir la porte, moi. Non, je pense qu'on va peut-être y retourner après. Okay. Qui sait. Donc là, on a pété des petits machins, et on revient là où on était. En fait, on a entendu le renard, comme tu le dis, ouais, mais on revient là où on était. Petite cinématique. Allez, fais pas de mal au renard, Non, je pense pas. Oh, regarde, il a peur un peu. Ce serait drôle. C'est trop mignon. Oh. Et regarde la tour tous les deux. Oh, il chante. J'aurais vu ce qu'il crie, moi. Oh. Ouais. Et là, c'est là d'où on venait, pour moi. Oh, je suis là. Bah, à mon avis, je suis passé par la porte à droite où il y avait un trou dedans. Pas du tout. Mais pour moi, je venais de là, on est d'accord. Parce qu'il y avait l'eau au-dessus, j'avais fait un pont et tout. Ouais. Oui, c'est ça. Ok, mais de toute façon, je vais les suivre. On a bien vu que les camemberts, ça ne faisait rien. Ça fait rien, on les loupe, mais c'est pas grave. On a vu votre déception dans les commentaires, ça va, on a vu ta déception. Rien ne se passe quand on fait un camembert complet, bah ouais. Du coup, on va pas se prendre la tête. Mais oui, parce que attends, j'avais vu ce dessin-là. Oui, c'est bon. Donc, elle a envie d'aller à la tour. On va le suivre. On arrive, on arrive. Fais gaffe, t'arrêtes pas de tirer sur mon câble d'oreille, ça me tire l'oreille. Ah. C'est mieux? Ouais, mais c'est quand tu tapes dedans en fait. Mais c'est bon. On a toujours des problèmes techniques, C'est pas comme ça, hein. Oh putain. Mais non, mais il y a les méchants esprits là. Exact. Ah, faut que je prenne la boule, vite. Oh putain, ça va être la merde à repasser ça. La boule noire, je sens que ça va être la merde à passer. Attends, pour l'instant, ils font rien, donc on ne sait jamais. Ok, j'ai rien. Ah d'accord, donc je fais ça. Et puis. Et il dab. Et du coup ça va péter et du coup la boule va pouvoir passer. Vas-y, casse-toi. Ah non, d'accord, ok, j'ai compris. Il me suit. Donc oh la vache, ça va être chaud. Il faut que je monte vite. Elle est bien, Faceball. Est-ce que tu peux pas l'activer son pote? Okay. Merde. Wop hop pipapou papou. Ok. Tu peux crier dans le cristal. Non, ça faisait rien, c'est les boules bleues qui pètent les esprits. Ok, mais on a pas de boules bleues là. Est-ce qu'on a une boule bleue pas loin? Là-haut. Faut que je remonte là-haut. Je vais chercher une boule bleue. Sinon moi, je peux pas passer sans la boule bleue. Ok. Oui, bah prends. Mais putain, mais il s'est à moitié arrêté en mode craintif, tu vois. Bah, en fait, c'est une zone où il est craintif, quoi. Forcément.
Il y a des mange-morts qui t'aspirent la face. Mange-morts, carrément. Bah oui, comme dans Harry Potter, on a dit, c'était... Bam. Time les gens, ce type in shape. Qui veut la bouboule? Qui veut la bouboule? Mais cherche la bouboule. Allez, on passe, on passe, on passe, on prend une bouboule. Au cas où. Je pense même pas que ce soit au cas où, c'est que je pense que tu n'as pas trop le choix à prendre une bouboule. Voilà, voilà, voilà. Ah, voilà, voilà. Franchement, c'est super triste quand il a du mal à crier. Ah, c'est horrible. Je supporte pas ce passage-là. Ah. Ça donne la... Ils reviennent pas, j'ai l'impression, les esprits. Donc j'ai repris une boule au cas où, tu vois, mais... J'ai l'impression que ça s'est un peu débloqué, du coup, tu vois. Ouais, c'est possible. Donc on a le temps de suivre... Mais bon, vaut mieux Facebook, jouer sécu. Exactement. Parce que faut toujours avoir une sécu. Sinon, au niveau maladie et tout, c'est le bordel. C'est sûr, on doit se faire rembourser, quoi. Ok, donc là, on repasse bah, là où on était passé. Bon, je prends la boule, hein, on sait jamais. En fait, j'en aurais besoin, peut-être pour... Je sais pas. Donc théoriquement, d'après ce que j'ai compris par rapport au dessin, les faceballs, là, les hommes boules, ils ont envie d'aller dans la tour. Hmm. Donc là, on se dirige vers la tour. C'est chez eux. Je ne vois rien, par contre, là. Bah, va tout droit. Ok. Donc, il y a forcément un endroit où tu pouvais plus prendre la boule. Je pense. Ou jette là. Can you? Ouais, je peux pas la prendre avec moi, en fait. Après, j'en ai pas besoin, théoriquement, là. Il y a une boule en face, en plus, donc... Ouais. Ah yes! Mais oui! Mais oui! Mais oui! Tu te rappelles que là il y avait un jeu d'ombre? Exact! Mais oui! Là. Comme l'a dit Sabah, c'est vrai que c'est grand. Du coup, on peut pas ouais, se Ouais, on se perd. Oh, il a vu son copain mort. Ah, c'est celui qu'on avait réveillé vite fait en plus. Oui. Oh, c'est trop mignon comment il fait pour le réveiller. Oh, il est triste. Celui qui avait des cheveux. Oh! Oh, pauvre bébé. Il est pas content. Reviens! Au pied, on a besoin de toi. Il est parti où, là? Il est vexé. Non, tu vas pas faire le truc, d'accord. Bah, quel truc? Il est parti? Non, mais je parle à la boule. Ah oui, d'accord. Je crois que tu me parles à moi. Je... Hein? Bah, Facebook. Où est-ce qu'il va, Facebook? Il est parti où, Facebook? Putain, il va vite, hein? Ouais. Alors, retourne à l'endroit des autres bouboules. Au cimetière des bouboules. Ouais. Alors là où Sabah, d'ailleurs, voulait qu'on retourne. Parce qu'il disait qu'on pouvait sûrement en réveiller d'autres. Je vais essayer. On espère, parce que sinon on est tout seul. Chop. Chop. Non, elles sont cassées. Wow. Ouais, j'y crois pas trop. Hein. Non, là, elles sont cassées. J'aurais essayé, mais non, non, voilà. C'est bien ce que je pensais, hein, elles sont pétées. Ok. Ok. Bah sur le... Quoi? Sur la plateforme, mec. Ouais, non, mais c'est celui. Non, je vais pas aller sur la plateforme avec lui. C'est... Là, faut que je mette un truc. Ok, bah je vais essayer de monter par là, hein, déjà. Sauf que ici... Ok, ça va pas le faire parce qu'il faut que je mette un anneau. D'accord, grâce au truc en face. Très bien. Ça, jusque-là, je comprends. Ouais, le renard me dit d'aller là, ok. Merci, Renardo. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui? On prend le petit escalier. The little stairs. The little stairs. Ok, il n'est pas assez petit d'ailleurs, hein. Je dis petit, mais... Est-ce que je vais pouvoir aller quelque part par là? Pas vraiment, me direz-vous. Et vous avez bien raison de me le dire. Ouais. Ouais, 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 comment je monte, moi? Et là, tu pouvais pas monter en face? À ta gauche, là, du coup? Ah non. La mienne. Comment je monte? Very good question, my little jambono. Ok, y'a un truc à faire avec la boule, du coup, I suppose. Est-ce que ça marchait pas de mettre la boule sur les plots, là? Y'avait une histoire comme quoi ça marchait de faire ça? Non, ça marchait sans la boule. Ah, ça marchait sans la boule, c'était ça, t'as raison. Donc par là-bas, du coup. Ah, je peux réveiller un autre.
Non, c'est des jambes. Ah non, mais... ah, il est pas. Putain, pas... je sais pas du tout quoi faire. Quoi faire hein. Peut-être monter par là. Ah non, il y a que les boules qui peuvent monter. Ok. Mais what? Il faudrait que je mette ça là-haut, mais je peux pas. Je peux clairement pas, c'est pas possible. Ouais, bah oui, mais t'es gentil de me dire de monter, mais moi je sais pas comment monter. Ah, il me suit, ok. Très bien, ça lui plaît la boule. Ça décale ça par là. Bah, j'ai envie de te dire why not. On va essayer de voir déjà ce que ça donne. Reste là, bébé Kadam. On va déjà voir ça, parce que là du coup tu vois ça a décalé le truc, je peux monter... Ah bah je pouvais monter directement, c'est peut-être plus simple. Et je sais pouvoir sauter là tu penses? Ah ouais, ok. J'y croyais pas du tout quand même, franchement. T'as vu c'était... Le saut était vachement hasardeux, je pense, je trouve. Je pense aussi. Un petit peu, ouais. Il y a du goémon partout, c'est trop cool. Ok, eh bien ouais, mon gars. Je sais pas du tout pourquoi je vais là, c'est peut-être pas du tout le moment d'y aller, mais... Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Mais bon, en même temps, faut bien essayer. Sinon... Écoute. Ah, déjà, il y a un truc ici. On voit rien du tout. On voit rien, ouais, c'est le principe. Non, en fait, il y a rien, c'est pour revenir, je pense. Ok, alors, par là. Les bouboules. Ouais, clairement, rien à foutre ici, quoi. Ok. Ta gueule. Donc on va plutôt lui faire mettre l'escalier. On va voir si c'est mieux. Je sais pas du tout. Viens mettre l'escalier, petite bouboule. Il est con quoi. Mais maudit con. Je t'ai dit de venir là. Je pense pas qu'il puisse faire ça. Viens. Viens bébé. Viens là. Okay. Ah oui, d'accord. Ouais. Merci bébé. Ah putain. Non. Si. Je crois que j'ai une idée, mais ça va être chaud. Mais ça va être chaud de ouf. Ça va être chaud boubouille. Ça va être super chaud. Alors que je prenne une boule, est-ce que je peux prendre une boule comme ça? Est-ce que ça détruit l'autre? Oui. Ah merde. Donc reste là. Si je me brouille, est-ce que ça le fait? Oui, ça le fait grave. Ok. Ouais, donc il fallait juste l'amener, puis là il va revenir à son point d'origine. Voilà. Ah, parfait. Ok, sympa. Je sais, j'ai géré, merci. Ouais, bravo, bravo. Congratulations, congratulations. On va juste le poser ici, pour le garder. Et ici, on va essayer de faire le truc de... Mets-moi un anneau sur ça. C'est peut-être pas ça qu'il fallait faire. Ah non, faut mettre une boule dessus. Faut mettre une boule dessus pour que la boule... Ah, ça va être la merde. Exact, ouais. Et comment je vais amener la boule là-bas, moi? Ah mais si! Il le décale par là-bas donc. Mais je suis con! Ah bah non! Je suis pas con. Ça va être le bordel, mais il va falloir prendre la boule par là. Bon attendez, on va essayer d'aller par là-bas. Parce que le renard nous disait d'aller là en premier, donc oui. Écoutons. Okay. Écoutons le renardo. Après tout. Après tout. Donc là la boule c'est mort, ok. Lâche! Mais putain, mais pourquoi il lâche pas la boule? Lâche la boule! Lâche la faire mon gars! La caméra qui s'éloigne comme ça. C'est rigolo, hein? C'est marrant. Ouais, parce que je pense qu'il faut amener la boule là-bas, mais... Pour que... Mais attends, ça va être galère de ouf. Galère de ouf, mon frère. Je suis censé aller où, derrière, là? De l'autre côté, derrière toi. Derrière moi, tu penses? Ouais. Oh putain, bien wesh. Et ensuite, à droite. Oh la vache, c'est super... Ouf. Ouf, ouais. Chaud pour, ses... pour lui. Chaud pour lui, pour un enfant quand même, faut le dire. Oh la vache.
niveau du truc là, c'est hein. Bon, alors, ah voilà. Je peux. Excusez-moi, monsieur. Ouais, là c'est un peu. Je suis allé où là? À gauche? Oui. Oh la vache. Ok, ensuite. Je suis pas rassuré, hein, je vous le dis, hein, bon. Je suis pas... Bon, alors. C'est pas là, hein. Alors, dis donc. Non, mais où? Oh putain, j'ai réussi à monter. Oh, le premier coup. Donc. Ok, oh la vache, oui, ok, d'accord. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, on a un truc, là. Ok. Donc, ah oui, bien, bien, ok. Bien. Attends, mais what the actual fuck? Parce que tu es monté, quand même. Et tu retournes en bas. C'est trop bizarre. C'est pas faux ce que tu dis. C'est carrément pas faux. Ouais, bah ouais. C'est quoi, c'est sale. Non, alors, je suppose qu'il faudrait plutôt mettre l'escalier. Oui, pour la boule, du coup. Ensuite, comme je ça, suppose qu'il faudrait dire à l'autre, viens là. Viens le mich-mich. Oh. J'ai une boule pour toi. Comment to see my boule. T'as mangé ma boule. Parfait. Rest in peace là. Te barre pas, te barre pas, te barre pas tout de suite. Non, l'enculé. Ah bâtard. Ah non, ça c'est pas gentil hein. J'ai pas apprécié. Mais plutôt le truc. Pourquoi t'as mis le truc là-bas sur les escaliers? Il te sert pas du coup. Mais bah, je fais comment après? Mais tu montes pas par ces escaliers là? Bah, comment tu veux que je monte là-haut? C'est pas par les autres escaliers que tu montes? Attends, mais non! Tu montes par là? Mais je peux pas monter par là! Ah, mais. Y'a pas juste de monter par là? Mais non! Allez, allez, allez! Allez, viens! Non, non, c'est juste que j'ai un problème de timing, mais c'est. Je peux pas, mais. Théoriquement, pour moi, je peux pas la mettre autre part. Ok, mais c'est. Ok, on s'est pas compris, mais moi je. Non, mais vas-y, explique ce que t'as à dire. En fait, ton poteau là, ton truc qui tournait le cul, oui. Tu l'as mis là-bas pour les escaliers, mais il te servait pas les escaliers. Si, ils me servent là. Sinon, ces escaliers là, ils sont pas là. Si, ils sont là. Et je peux pas monter là-haut, regarde. Oui, mais une fois que t'avais mis la boule, après tu pouvais. Mais comment je fais? Tu pouvais le reprendre. Ah non, ah, je sais plus. Moi aussi, je suis sûr que c'était faisable. Moi, je suis pas sûr. Comme ça. Je suis pas sûr, mais parce que ce que tu comprends, c'est qu'après j'ai plus de boules pour attirer le mec, moi. Je peux plus l'attirer là. Et mais t'aurais repris ton bloc. Et mais ça aurait décalé le truc, donc ça aurait renvoyé la boule. Je suis persuadé qu'il faut le faire comme ça, mais bon, peu importe, j'ai réussi. Dites-nous dans les commentaires. Non, mais pour moi, c'est sûr, c'est ça. C'est sûr. Justement, l'erreur, ça aurait été de mettre le bloc ici. D'accord. Yeah, mon gars. Yeah, mon gars. C'est bon, ça. Alors, est-ce que ça va réveiller tous les petits trucs sympas, là? C'est bien. Ça aurait mis de l'énergie. Une armée de... Ah, mais je fais wack, après, moi. Je fais wack. Je vais là-bas? Moi, je pense que je vais là-bas. Hein. Pouf, j'ai mal. Péter une cheville, ça fait toujours plaisir. Dans une game. Bah là j'ai plus de cheville, hein. J'en avais que deux. Ouais. Donc à un moment j'en pète genre, oh on dirait des virus. Ouais. What, qu'est-ce que c'est que ce truc là? What, qu'est-ce que c'est que ce truc là? C'est une hallucination collective. Ouais, j'étais sûr qu'il fallait crier, c'était logique, on voit un truc d'énergie, on crie. On a... C'est ce que tout le monde fait. Oh my god, oui. Oui, il a des copains, il est content, il y en a même un avec des cheveux. Il est content. Ah ouais. Ouais, ils ont des barbousses, des cheveux, des machins, trop mignon. C'est bien qu'il danse. Il passe une petite choré, tu vois. Non mais attends, c'est pas un Disney, là. On se calme. Trop beau. Et l'autre, comme il a du mal à marcher. La musique, elle est trop mignonne. Ouais, elle est très belle, la musique. Ah, je marche pas mieux, regarde. Vas-y, imite-les. Ah, c'est trop mignon. Allez, venez, on s'en va. Venez, pote, on se passe. Ah, je peux même se voir dessus, ça c'est énervant. Oh. Mais qui les a détruites? C'est ça la question. Bah le temps, non? Aussi. Peut-être, hein. Oui, soit eux-mêmes, bah soit quelque chose, mais sinon c'est le temps.
que bah, tu vois bien que du temps a passé. Oui, c'est vrai. Ils ont de la végétation sur la tête. Ouais, mais c'est ça, il y a de la végétation partout, on voit que tout est en ruine. Peut-être qu'il y a eu il y a eu les esprits et tout, mais je pense que c'est plus le temps qui a fait tous ces morts et tous ces esprits, tu vois. Le royaume à l'abandon. Donc on a notre petit... Casse-toi. Donc lui, il est... Ok, il est bien placé. Ok, il y en a d'autres qui se placent à d'autres endroits. Qui attendent. Ils sont tellement frêles. Ok, donc par contre, moi, ce que je comprends pas... C'est ok, alors moi, je veux bien monter là-dessus. Et le problème, c'est que... Au niveau des ombres... Ah déjà, d'accord, ok. J'avais peur que... Il fallait faire tourner, c'est comme le truc jour-nuit, là. Mais non, en fait, du coup, directement, l'ombre est là. Je pense que c'était un peu... Allez, viens, on y va, les boules. Vous venez toutes ? Allez, les Facebook. Ouais, c'est bien, les boules. C'est trop bien qu'on puisse marcher parmi lui, tu vois, qui nous écrase pas. Bah, je passe sur sa classe. Oh, on a un petit dessin en fond qui a l'air vraiment cool. Ouais. Un peu plus enfantin. Ok, une belle petite pièce. Oh, quoi ? Ah, bien, eux, ils passent par là, et moi, je peux pas. Clairement, je peux pas. Ils vont tous passer par là ? Ouais, ok. C'est trop chiant. Et moi je vais par là. Je ne vois rien. Et vous non plus, je pense. Non, ouais. Putain, la musique est géniale. Ouais. Ok, donc. Ah, on a encore une tour qui monte. Avec, d'accord, donc des dessins de. Ah, j'aime bien les de fleurs. Ça. Et de. Bah. Et des Faceball, comme on les a appelés. Donc tu clôt un nouveau chapitre. Exactement. Super beau. Toujours avec l'effet. Les dessins qui s'éclairent et tout, c'est magnifique. Puis la musique est très japonisante, c'est ouais, très grave, très cool. Ouais. Ça fait très Zelda en fait, tout simplement comme musique. Ok. Ok, ok. Waouh, on a les esprits, t'as vu, on a deux belles statues d'esprits là, c'est trop classe. Trop trop beau. Oh. On a un trou de serrure. Ah bah voilà les Faceball, ok super. Ils me rejoignent. J'adore les scripts qui se déclenchent comme si on arrivait en même temps, c'est trop cool. Ouais. Bonjour les Faceball. C'est notre papy là devant. Bah c'est notre Faceball du début. On va se retrouver encore dans un bateau, je sens. Je pense. Est-ce qu'ils savent nager, c'est ça la question? Moi je plonge parce qu'on va plus vite sous l'eau. Ah, ils peuvent marcher sous l'eau. Ah. Bon, je les devance, hein, je sais pas si je fais bien, mais bon. Après tout. Why not? Qui n'aime pas le chocolat ne mange pas de rocher. Cacahuète. Cacahuète. Ouais, ah, bateau. Petit bateau! Est-ce que je vais enfin savoir qui c'est? Ah, je peux tourner la caméra. Non, je peux. Ouais, mais je peux utiliser le joystick, quoi, en fait. C'est du QTE, quoi. J'aime bien les cinématiques un peu QTE, comme ça. Ouais. Ah non, je peux... C'est moi qui ai fait bouger, là, vraiment. Ah oui, d'accord. Non. Ah bah non. Oui, il est tout noir. Avec de la barbe. Ah, c'est d'où cap. Notre cap. C'est pour ça qu'on a un bout de cap. Bah, qu'on a une cape rouge parce qu'on a un bout de la cape du mec. Et le mec, ce serait peut-être qu'il serait mort, ce serait le renard, du coup. Réincarnation du renard. On ne sait pas. Oui, puisqu'on le voit, il apparaît. Des fois en même temps que le renard. C'est pas faux. Ouais. Ouais, mais une projection de l'esprit, je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. I don't know. Oh, donc en fait, on était sur une boule. Je crois que tout ce qui est scène de bateau, c'est du rêve. Hein. C'est du rêve du d'avant. Souvenir. Oui, c'est ça. Mmh. Souvenir. C'est ça que j'appelle le rêve. Mais oui, effectivement, souvenir si tu veux. Oui, oui. Parce que là, on était sur l'eau d'une boule. Et donc, du coup, on a le souvenir. Putain, c'est trop classe d'être sur une boule comme ça. Mmh. Donc là, je peux rien faire. Hein. Je peux bouger à peine la caméra, vous voyez, de gauche à droite. On est vraiment sur de... presque de la cinématique. Ah, trop mignon.
Boom. Ouais, sympa. C'est trop beau, l'effet de pluie est trop beau. Ouais, il était très très bien géré. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, le renard... Moi, dans la traînée du renard, qui traverse les esprits pour aller dans une pièce suivie des faceballs. Je vois ça de manière un petit peu... J'essaye d'expliquer de manière rationnelle un peu le truc. Donc là, c'est rien que j'aille là. Ça va plus être là. Putain, c'est beau la pluie, là, j'adore. Ouais, c'est beau. Je l'ai déjà dit, hein, mais je le répète. J'aime bien les ambiances de pluie. De toute façon, j'adore la pluie. Je trouve ça hyper poétique. Ça m'a été breton. Ouais, mais peut-être pour ça, mais je trouve ça hyper poétique et romantique, la pluie. Oui, un peu comme dans la scène de Spider-Man, quoi. Oui, bah si c'est pour... hein, bon. Moi, je parle sérieusement. Oh! Ok, on a la statue, du, je suppose, du roi, hein, toujours. Clair, ouais. Avec le petit Renardo qui est tout mouillé. Regardez, trop mignon. Oh. Ok, je peux faire le tour, du coup. C'est vachement sombre, c'est ouais. Noir quoi. Carrément, ouais. Ça a l'air super triste. Ah, il y a mouillade. Ok. Oh putain. Ils ont pas l'air de plaire. C'est bon, ils ont pu se mettre d'accord, je pense. C'est ça. Ok. D'accord, donc ils partent là-bas, ok. Il y en avait un gros. Ouais, c'était marrant, ouais, des différentes morphologies, c'est pas mal. Oh. Je suis là. Renard mouillé. Ça va sentir le renard mouillé. Red Fox. Donc là, je vous avoue que je suis pas en train d'essayer d'explorer un peu partout, parce que ça gâcherait aussi, je pense, un peu du côté un peu cinématique, ouais. Un peu progression du truc. Ce sera, si j'étais là, ah, vas-y, qu'est-ce qu'il y a là, est-ce que je peux sauter faut vivre le truc, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ok, le renard est passé par un petit trou. Waouh. Mais il s'est sacrifié, du coup, parce que là... Ah, il s'est mis dedans, la porte. Ah oui, d'accord, c'est comme s'il se sacrifiait un peu pour ouvrir. C'est trop beau. Waouh. J'arrive. J'arrive. Il est marrant, lui, mais... Ah non, fallait que je fasse ce qu'il a fait, en fait. Je pense que je peux monter quelque part. Quoi? Je peux aller où là? Ok, non. C'est un peu chelou ça. Je suppose que je pouvais monter là-dessus. Ça a pas l'air. Ça a pas l'air, effectivement. Comment je peux en monter? Parce que moi je veux bien avancer, mais. Ouais. Ah bah! C'est bien fait, hein, parce que. J'avais compris que c'était là, tu vois. Ouais. Donc c'est au niveau du game design, c'est plutôt bien foutu carrément. Et du coup, t'as juste le temps de te dire merde, comment on fait, et puis ça c'est pas mal fait. Ouais. Ça doit pas être facile à créer. Alors, parce qu'on a eu le bon réflexe au moment, parce que des fois c'est vrai que ça colle pas les trucs comme ça, parce que du coup tu regardes pas au bon endroit, du coup ça déclenche un truc, mais là, nickel. Ok. Putain, c'est vraiment ruisselant là, hein. C'est... Waouh. J'aurais peur de... De me casser la gueule et de tomber, c'est clair. Il court comme un thug, le mec. Plus, regarde. Jouer ou... Merci. Et puis là, les mains. Oh, c'est clair. Techniquement, je suis désolée. Et du coup, la pluie, la vue, c'est marrant, ça fait des gouttes, là où tu peux monter. Oui, tout à fait, ouais, ça fait des espèces de... Oui, de traînée de flotte, quoi, ouais. Bien sûr. Comme le Guémon ou les traces blanches, là, au début, c'est ça. Ok, petit renard. Point of view, sympa. Ah oui, carrément, c'est genre balèque, quoi. Couilles, frère. Mais on pète pas les trucs comme ça. En tout cas, il a été adopté par les faceballs, le renard. Ouais. Ça me fait penser à la fin de Blanche-Neige avec la sorcière. C'est un peu comme ça. Alors, je vais pas redire encore comme dit Sandar, mais voilà que ça sent la fin. Parce que pour moi, ça sent la fin. Mais clairement, là, pour l'instant, ben, c'est pas la fin. Et ce que je sais, c'est qu'il nous reste 1 à 2 minutes de vidéo pour pas trop dépasser. Et ça sent la fin, mais en fait, pas. Et on ne sait pas. Là, de toute façon, ça n'a pas sauvegardé pour l'instant. Donc, techniquement, on peut pas trop arrêter. Hein. Oh, c'est trop facile à dire, ça.
Ouais, je veux savoir en fait. Moi aussi, j'aimerais bien, toi, mais... En même temps, je kiffe le jeu, quoi. Donc, putain, c'est beau, la lumière, ça pète les yeux, mais c'est beau. C'est clair. Ouvre la porte. Waouh. C'est beau. Ah, regarde, les deux statues. Ça fait très penser à Seigneur Zano, ça, tu sais, le truc... le gouffre de Helm, je crois, un truc comme ça. Alors, je pourrais pas te dire, je m'en rappelle plus des noms non plus de Seigneur Zano, mais c'est un truc comme ça. C'est une porte, ouais. Les fameuses portes, ouais, où il y a deux grandes statues géantes. C'est trop beau. Mais non, faut que la Mais il a pas compris depuis tout à l'heure. Voyons. Si, il a peut-être pas envie que la dernière faceball, son pote, se sacrifie, tu vois. Ah oui, parce qu'elles ont toutes servi. Ah merde. Bah oui, c'est ça. Oh non, pas la faceball. T'accroches pas à lui, par contre, tu vas mourir. J'espère que c'est la dernière porte, sinon il aurait l'air con et se sacrifier pour rien. Ah si, c'est fait pour. Faceball, on t'aimait. Ça faisait deux épisodes qu'on te suivait. Oh, Renardo, il est trop mignon, mouillé, lui. Oh, il est trop chou. Oh, c'est trop mignon. Bah, moi, je veux un renard, ça y est, mais je veux moi pas de renard. Je veux un renard. Pas de renard. Oh. Ok. En plus, il est coupé en deux, c'est quoi. Ouais, après, bon. Ah, ok, oh, la vache, pourquoi. What. What the fuck, les amis. C'est pas de vie de la femme. Oh, pute. Pardon. Ah, ouais. Oh, attends. Ah, mais ça glisse à mort. Est-ce qu'ils vont nous faire glisser exprès pour avoir peur. Fuck! Ok. Là, je peux clairement pas sauter. Si. Zebeb! Ok, si. Waouh! C'est vraiment bizarre la perspective. Les profondeurs. Les distances, tu vois. Ah, je suis censé arrêter, mais je peux pas arrêter là. Ça a sauvegardé. Qu'est-ce qu'on fait sans ça? Parce qu'on a... on est pile à 30 minutes. On va peut-être arrêter, hein, les gens. Ouais. Là, on est désolé de vous couper dans ce moment très poétique et tout. Mais en même temps, faut pas déconner quoi. Faut pas déconner, on va pas vous faire une vidéo de 40 minutes. Sinon ça va se voir en plus, que c'est la fin. Vous allez savoir que c'est la fin, c'est ça, donc... Écoutez, on va se laisser là-dessus, en même temps ça fait un très beau teasing quoi, c'est vraiment cool. Là vous avez vraiment envie de savoir la fin, nous aussi, parce que pour le coup on va arrêter de jouer aussi, c'est super dur. Ouais. Donc, je sais pas. Je sais pas si on arrête ou pas. Vite, le temps. Est-ce qu'on arrête ou pas? Moi j'arrêterai. Ok, et eh ben écoutez, Sandar a parlé, vous pouvez l'injurer, l'injurer c'est ça, oui, l'insulter, lui lancer des injures dans sa gueule à elle, parce que c'est elle qui a décidé qu'on arrêtait, je le dis, je charge le tout, et puis du coup on se retrouve dans le prochain épisode, sûrement pour la fin, là ça sent la fin, mais en fait non, il va y avoir encore plein d'énigmes, tous les coups, j'en sais pas, mais, voilà. Mais ça sent la fin, mais en tout cas c'est très beau pour l'instant, toujours aussi poétique, ça fait très plaisir, on n'a pas envie que ça s'arrête, mais en même temps on a envie de savoir la fin, voilà. Ouais, c'est dur. Donc au prochain épisode, pour l'épisode 10, voilà. Ça tomberait bien. Gros bisous à tout le monde. Ciao. Et laissez des commentaires et des pouces bleus. Oui, ça serait bien. Voilà. Et abonnez-vous. Of course.